Le prêtre. Ce prêtre était selon la parole douce, qui tombant dans la mort, sans larmes, sans secousses, monta par le degré du ciel. Il marcha sans dédain des choses de la vie, de ses cris là ni murmurer l'envie, sans ouvrir ses lèvres de miel. Il consolait le pauvre au jour de sa souffrance. À l'un donnait du pain, à l'autre l'espérance, la paix du cœur aux affligés, et refuge à la veuve, à son fils le sourire, le pardon des péchés aux enfants du délire, l'oubli du bien qu'il fit à tous ses obligés. Il n'eut jamais d'orgueil que pour son âme blanche. Homme d'amour sans borne, il est partout. Il penche son front sur toutes les douleurs. Voyez, son œil serein sonde de toute misère. Sa main se fait discrète. Eh bien, des pauvres mères, quand ils passent, sèchent leurs pleurs. Il prie, oh, la prière est bien faite à sa bouche, en apportant à Dieu l'archange qui la touche, osant convoiter les douceurs. Sa prière est pour tous, hommes, enfants ou femmes. Il veut qu'elle soit grande et que toutes les âmes, au long banquet du ciel, viennent s'asseoir en sœurs. Ce prêtre, c'est un ange à la parole douce, qui tombant dans la mort, sans larmes, sans secousses, monta par les degrés du ciel. Il marcha sans dédain des choses de la vie, les écrits là ni murmurer l'envie, sans ouvrir ses lèvres de miel. »